Alors cet instrument s'appelle un euphone. Ce que l'on voit d'aspect extérieur, ce sont ici des diffuseurs. Les diffuseurs, ils sont équipés de coupelles de compression qui permettent d'intensifier les fréquences fondamentales. Il y a une plaque de distorsion qui peut être contrôlée via une pédale. Ces diffuseurs sont fixés sur la table d'harmonie et sur la table d'harmonie, on trouve l'ensemble des mécaniques vibrantes avec le clavier. Donc c'est un instrument à friction qui utilise un clavier à base de tiges de verre. On en joue de cette façon, on peut avoir différents types de vibrato. La vitesse qui donne l'intensité et la pression qui donne le grain. Je peux forcer les mécaniques. Je peux piquer les notes. Lourer. Je peux faire des arpèges. Pour re-rentrer dans le son, son tenu à deux mains, je re-rentre à l'intérieur, je croise mes doigts. Mode de jeu polyphonique. Voilà, ça ce sont à peu près les modes de jeu principaux. On peut ensuite utiliser l'instrument de façon digitale, en percussion ou avec archet. Digitalement, des PIDs. Avec des baguettes. Et avec archer. Voilà les modes de jeu secondaires.